C'est magnifique, Martine. Mais j'ai que le derrière. Ah, d'accord, d'accord. Alors, je vais te baisser la tête. Bienvenue aux Ortillonnages. Oui, on écoute. Donc, je m'appelle Steven et je suis guide ici, c'est ma première saison. C'est pourtant typiquement Picard, ça, Steven. Alors, sur la droite, oui, c'est une plantation de houblon. Ah, voilà. Ah bon ? Ouais, ça, c'est du houblon. Ouais. Oui, voilà. Donc, le houblon, c'est une plante grimpante. Donnez-nous vos richesses et tout, et tout, et tout. Vous n'êtes pas tellement performant, finalement. C'est pas du mouflon. Non, mais là-bas, c'est un étranger. Deuxième type de cours d'eau, alors, c'est les fossés. Non, c'est... Et d'ailleurs, tous les guides font partie de la fête le matin. Donc, on sera sur notre bateau, parce que chaque guide a son propre bateau. Donc, on sera sur notre bateau et on descendra la Somme, avec des parcs aussi remplis de légumes. Oh, de la rhubarbe. Ah, j'en ai fait cuire. Moi aussi, moi, la même que ça a débordé. Ah, ah, ça, c'est comme ma cuisinière. Alors, moi, j'ai fait cuire, on en a même pas ramené pour le guide. C'est fou ça. Toi, il est paille pour garder la fraîcheur. Non, c'est parce qu'ils ont le temps aussi, c'est pour ça. Non, il est paille parce que ça demande beaucoup d'eau et ça garde la fraîcheur. Ah, ils ont le temps, ils sont à la retraite ici. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Hein. Petit jardin. C'est pour ça que c'est tout bien entretenu. Ouais, c'est bien tous les jours en bateau à la perche. Ah, c'est vachement joli. Hein. Viens de le voir. Oh, il est splendide. Oh, c'est splendide. Il est beau. Une poule d'eau. Ouais. Une poule d'eau.